J'ai eu la chance de vivre dans une famille où les livres étaient toujours présents. Les parents étaient ce que j'appelle des intellectuels totaux, dans le sens que, sans ostentation, ils se nourrissaient leur esprit au quotidien par la lecture, par l'échange intellectuel, la discussion. Ils étaient très éclectiques, très critiques aussi, donc voilà, m'a favorisé mon entrée dans la lecture. Le souvenir le plus ancien que j'ai de mon rapport à la lecture, c'était l'été 1969, donc j'avais 6-7 ans. Parce que nous habitions sur le continent, lorsqu'on rentrait l'été en Corse, mon père me faisait tous les soirs la lecture du roman de Renard, et j'étais derrière lui, je lisais en même temps que lui. Ce roman de Renard, donc c'est un roman animalier, avec une série d'historiettes assez cruelles. C'est des moments tout à fait dont j'ai un très bon souvenir. Je lisais beaucoup plus enfant et adolescent. Un certain nombre de livres m'ont marqué, mais je ne peux pas dire que je suis un lecteur compulsif, à l'inverse par exemple que pouvait l'être mon environnement familial.